3, 2, 1, go! Ok. On est déjà 370. Salut tous, c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, les gars, on se retrouve parce que oui, je vais tester la moto la plus rapide du monde avec une vitesse de 560 km/h. Et je peux vous dire que cette moto, elle picore du pain dur. En fait, voilà, j'étais vraiment en train de chercher la moto la plus rapide parce que j'avais déjà fait le véhicule le plus rapide du monde. Et là, c'est la moto la plus rapide du monde. Mais quand j'ai vu qu'elle était sur GTA 5, je me suis dit, ok, faut que je fasse une vidéo dessus, c'est sûr, c'est sûr. Mais aujourd'hui, les gars, je vais comparer cette moto vs un T-Max. Parce que oui, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo T-Max vs Police. Voilà, cette semaine, je vous la mets juste ici si vous n'avez pas vu. T-Max vs Police. Donc là, vous dites, mais ok, mais ça ressemble à quoi la moto la plus rapide du monde? Déjà, vous allez la voir, vous allez être choqué. Déjà, elle est juste incroyablement magnifique. Et on va tester sur GTA 5, bien évidemment, de battre le record de 560 km/h, parce que c'est le record du monde, hein, 560 km/h. Et je peux vous dire que ça picore du pain dur. Mais on va voir contre un T-Max ce que ça fait. Est-ce qu'un T-Max est plus rapide? Est-ce qu'un T-Max ça gagne des points sur différentes choses? On va comparer plein de choses. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est pas déjà fait, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et puis voilà, j'ai envie de dire let's go. Hop, je prends ma caméra, je la mets ici. Et voilà, on est sur GTA 5 actuellement. Donc c'est parti pour le test de la moto la plus rapide, encore une fois, je rappelle, du monde. Donc on est sur GTA. Je sais que mes graphismes, vous kiffez, vous kiffez. Je suis avec mon petit perso, j'ai mis une petite tenue de, tu vois, j'ai mis un petit costard et tout, parce que j'en avais marre de le mettre toujours en caleçon. Bon, il est toujours en caleçon, mais là, j'ai mis un petit haut, tu vois. Donc les gars, voilà à quoi ressemble la moto la plus rapide du monde. Et je peux vous dire que mon PC prend cher là actuellement, parce que il suit pas, il se dit, il comprend pas, il se dit, qu'est-ce que c'est cette moto? Donc je vais monter en première personne pour voir à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi elle ressemble. J'ai déjà fait un accident avec. Elle est juste incroyablement magnifique, j'ai envie de dire. Je kiffe ce petit reflet chromé. Elle ressemble vraiment à ça dans la vraie vie. Donc du coup, pour ceux qui veulent le nom du véhicule, c'est la Dodge Tomahawk, si je me prononce bien, voilà. Avec une vitesse de 560 km/h. Et cette moto, elle a 500 chevaux. Donc je peux vous dire que c'est magnifique, 5000 tours minute, 5600 tours minute. Autant dire que la moto la plus rapide du monde, elle est incroyable. Donc on va comparer différentes choses. Donc déjà, déjà niveau beauté, elle est magnifique. Niveau beauté, rien à dire. Voilà. Attends, je vais monter dedans. On va tester le bruit du moteur, on va tester si elle tourne bien, on va tester différentes choses. Et à chaque fois, on verra si du coup, si le T-Max est meilleur ou pas. Alors bien évidemment, vous savez que je kiffe ce pont. Voilà, je vous fais écouter le bruit, hein. Je vais faire un demi-tour. Franchement, bruit de moteur plutôt sympathique. On va tester maintenant. Ouais, par contre, la vitesse. Waouh. Qu'est-ce qu'elle fait, ma moto? Ah. Bon, apparemment, niveau tenue de route, c'est pas trop ça. On est reparti. Faut pas trop que je fonce, en fait. Faut que je tourne doucement. En fait, niveau tenue de route, elle est pas trop. Ouais, niveau tenue de route, c'est vraiment catastrophique. Hein, parce que je sens, en fait, que là, je tourne juste un petit peu. Voilà, je vais tourner doucement. Voilà, regardez, c'est... Non. Ah bah, il y a... Je crois qu'on a vénéré un PNJ, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? En plus, il y a la police juste là qui vient de passer, les gars. Tu me laisses tranquille, voilà. Tu me laisses tester ma moto. Et c'est parti, les gars. On est de retour. Je vais mettre en première personne pour voir à quoi ça ressemble en première personne. Ah bah, il y a un compteur. Du coup, les gars, on est de retour. En fait, il faut que je roule doucement parce que, regardez, la voiture... Enfin, la moto... Elle tend vers la gauche, enfin vers la droite, toute seule. Donc du coup, en fait, niveau de route, si on va vraiment doucement, ouais, c'est... Ça passe, quoi. Mais le bruit du moteur, je kiffe. Je vous fais écouter un peu le bruit du moteur. Regardez, voilà, une petite bosse, un petit truc, c'est fini. Donc pour le moment, on comparera à la fin les points. Mais pour l'instant, niveau tenue de route, c'est pas ça. Alors maintenant, on va tester sur ligne droite. Ah, par contre, j'arrête pas de croiser la police. Je sais pas ce qu'ils ont. Ok. Du coup, les gars, je suis à l'aéroport et on va tester la vitesse simplement sur une petite ligne droite d'aéroport pour voir ce que ça donne.
Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, bon, ouais, d'accord, j'ai peur de freiner. Mais en fait, on monte vite à 300 km/h. Oh. Ah oui, la moto la plus rapide du monde, c'est vraiment la moto la plus rapide du monde en fait. Là, elle me surprend. Là, niveau vitesse, je pense pas que le T-Max va faire mieux. Allez, fonce. Allez, 300, 300. Mais honnêtement, on va battre le record. On va aller sur l'autoroute après pour essayer de battre le record. Parce que je rappelle que le record, c'est 560 km dans la voirie. On va essayer de l'égaler au moins. Oh shit, il y a un avion. Wouhou! Je passe en dessous de l'avion. Magnifique. Bon, il tourne plutôt bien là, ici. Alors, je suis à 170. Et voilà, hop, une accélération, c'est fini. Voilà, on va dire que niveau tenue de route, c'est pas trop ça. Donc, ce que je propose, c'est qu'on va tester une autre chose. Est-ce que le véhicule dérape ou pas? Est-ce que le véhicule fait des 3-6? Ah, c'est pas trop ça, hein. Niveau 3-6, c'est pas trop ça. Mais on va dire que niveau tournant, c'est pas ça. On va tester maintenant une moto, forcément. Une moto, c'est les roues. Est-ce qu'elle fait des roues arrière? Elle fait pas de roue arrière, les gars. Non, on peut pas la lever. Je suis en train d'essayer de la lever, on peut pas. On va essayer roue avant. Non, je freine et je freine en même temps, non. Alors, ni roue avant, ni roue arrière. Donc là, on perd déjà 2 points au niveau de la roue arrière et au niveau de la roue avant. Alors, je sais pas, dans la vraie vie, vous aimeriez bien avoir quoi comme véhicule? Est-ce que vous aimeriez avoir un T-Max ou la moto la plus rapide du monde? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez la moto la plus rapide du monde ou un T-Max. On va tester maintenant. Est-ce que le véhicule plane? Non, le véhicule ne plane pas. Le véhicule est... Ok. Ouh! Par contre, j'ai réussi à me rattraper. Moto plus rapide du monde, vraiment catastrophique, je vais pas vous mentir. Mais maintenant, on va aller se téléporter sur l'autoroute et on va tester la vitesse. Et on va essayer de battre le record. Ok les gars, c'est parti. On va essayer de battre le record de 560 km/h sur GTA V. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Ok. On est déjà à 300, 370, 400. Ok, je vais essayer de freiner. C'est chaud les tournants. Il n'a pas de tenue de route, je le rappelle. 412. J'arrive pas à aller plus loin parce que le véhicule tourne pas bien. J'ai peur de faire un accident. 184, 200. Ok, là on est sur ligne droite. On va pouvoir monter, accélérer. 450, 453, 470. Est-ce qu'on va atteindre les 500? Non, le véhicule qui fait un accident. Waouh, ah d'accord, je suis carrément sauté. J'ai carrément sauté du véhicule. Magnifique. On est de retour cette fois-ci, on va tester en sens inverse. Go! Allez, s'il vous plaît, faut qu'on batte leur corps. Le véhicule tient pas les gars, à 400 il arrive pas. 430. On nous dit 400, 506. 506. 506 les gars, on a fait 506. Ok. Wow. Le véhicule, il pète les plombs. Il est horrible. Vraiment, le véhicule le plus rapide du monde, il est catastrophique. Ok, on est reparti. Dernier test, Lego. Lego, 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 j'ai dit Lego. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Fais pas n'importe. Ah ouais, mais il veut pas. Le véhicule ne veut pas, les gars. À partir de 400 km/h, il perd complètement la route. On a fait 500, malheureusement. On n'ira pas plus loin que ça, les gars. Donc, du coup, on se retrouve tout de suite avec... Et du coup, les gars, on est de retour avec le... T-Max. Oh, le bus de Vinwood. Le T-Max qui est incroyable, hein. Le T-Max, c'est l'un de mes véhicules préférés. Et je peux vous dire que déjà, niveau design, bah, il est très très beau, je vais pas vous mentir. Donc, est-ce que vous préférez T-Max ou le véhicule d'avant, le dégueulasse bizarre, le Tomahawk, le véhicule le plus rapide du monde qui tient pas du tout la route? C'est ce que nous allons voir. Donc, déjà, on va faire tous les tests qu'on a fait avec le Tomahawk. On va le faire. Du coup, c'est parti. Déjà, premier test. Bah, déjà, la beauté du véhicule. Bon, c'est vrai que l'autre il est plus stylé, mais le T-Max c'est magnifique aussi, hein. Tester le bruit du véhicule. Bruit du véhicule, je vais pas vous mentir, là le T-Max il gagne pas de points là-dessus. Mais déjà beauté du véhicule, on peut dire qu'effectivement il gagne du point.
Alors niveau tenue de route, on va tester des virages, etc. pour voir ce que ça donne. Ah bah voilà, on peut voir la beauté. Voilà, admirons. Admirons le T-Max. Alors comme vous savez ici, on a le la petite cinématique. C'est stylé. On le ralentit. C'est reparti. Et du coup, on est reparti. Alors, virage, on va tester les virages. Voilà, par exemple, ce virage. Oh là, déjà, niveau tenue de route, ça n'a rien à voir avec le véhicule le plus rapide du monde. Oh, je peux faire des roues là, j'ai pas envie de vous montrer les roues, c'est juste incroyable. C'est magnifique. Niveau tenue de route, déjà, on peut dire que le T-Max gagne largement des points. Ouais, il gagne des points fortement. Donc, si je vais tourner, ouais, tenue de route. Tenue de route, clairement, oui. Sachant que là, je tourne à 120. Alors maintenant, si je tourne doucement, comme j'ai fait avec le véhicule d'avant, le plus rapide du monde, on va tester. Donc, je tourne doucement. Ouais, c'est strictement rien à voir du tout, du tout, du tout, du tout. On peut dire que là, le T-Max gagne des points largement. On va du coup maintenant tester la vitesse en ligne droite, est-ce que le véhicule fonce ou non? Et du coup, c'est parti. On est avec le T-Max et let's go to the party. On va tester la vitesse en ligne droite. C'est parti. On va déjà tester normal et on se testera avec une roue. Est-ce que c'est plus rapide ou pas avec une roue? On a des avions qui atterrissent normal. What? Bah attends, y a un avion qui vient de se crasher. What is this? C'est quoi ce pilote? C'était mon volant quoi? Ou à mon avis, ils ont vu une lune, ils ont dit What is this? Il y a une lune sur notre piste, on se crash. Mais il a disparu, d'accord. Ok, on va tester en roue maintenant. Oh là là, le T-Max, c'est un plaisir. Oh là 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 là, le plaisir du T-Max. 160, j'irai pas plus loin, je pense. Je suis là en 160, mais les roues arrière. On va tester maintenant les roues avant. Oh là 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 là. Oh, le T-Max, quoi. Voilà, j'ai envie de stunt au-dessus là. Attendez, est-ce que je vais réussir à stunt? Au-dessus des deux avions, magnifique. Le T-Max, c'est incroyable. Le T-Max. J'ai rien à dire là-dessus, c'est T-Max, quoi, j'ai envie de dire, c'est magnifique, c'est incroyable. Bon, par contre, niveau vitesse, je vais pas vous mentir, je pense que dans la vraie vie, il va beaucoup plus vite que ça. Je sais pas si ça va à combien un T-Max dans la vraie vie, s'il y a des connaisseurs. 140, on va tester de stunt. Bon, déjà, rien à voir, niveau stunt, ça a rien à voir du tout, le T-Max est largement au-dessus. Fortement, et je dirais même largement au niveau roue arrière. Bon, bah, y a rien à dire. Roue avant, pardon. Regardez, je peux rester combien de temps? Je sais pas combien de secondes je suis resté, mais c'était magnifique. Alors maintenant, on va voir si en roue arrière on peut tourner et tout. Non, mais là, je peux rester avec vous comme ça pendant des heures. Hein. C'est trop magnifique. Ok, on va se calmer, on va se calmer. J'ai failli tomber. On est reparti. Let's go. Allez. Wouhou. Quoi? Les gars? Les gars? Oh. Je suis tombé. What? What is... Ok, pourquoi pas. Ah, il y a une fête. Oh, il y a une fête ici. D'accord, le gars, j'ai tellement volé que mon véhicule a plané. Et effectivement, il y a une fête. Je sais pas c'est quoi. Bonsoir les gars, je suis avec mon T-Max. Ils sont choqués, ils sont choqués. Ils sont choqués, ils sont choqués. Ouais, je l'ai mis bien ou quoi? Oh, le T-Max est... Je l'ai décom.
c'est magnifique. Le T-Max, c'est magnifique, rien à dire. Ok, on va tester le dernier truc du coup, c'est la vitesse sur l'autoroute. Est-ce que le T-Max va vite ou pas sur l'autoroute? C'est ce que nous allons tester. Bon, déjà, niveau gros du moteur, il n'y a rien à dire. On n'a pas testé un truc, c'est 360 aussi. Tester s'il fait des 3.6. Bon, je crois pas qu'il ait l'air de déraper. Par contre, au niveau roue arrière, le véhicule est présent. Du coup, c'est parti. Test de vitesse. À mon avis, je sais pas si c'est rapidement parce qu'on a vu sur l'autoroute qu'il ne foncerait pas trop. Mais on va voir si on peut surprendre, si effectivement on peut foncer à fond ou pas. On est à 160. On va tester la vitesse max en fait. Allez. 164. Il n'a pas l'air de monter plus vite. Il bloque 163, 162. 161. 165, 166, 167. 168. On sent que le moteur, on entend le bruit. 170. Ah, il ira pas plus loin les gars, je pense. Bon, du coup, je vais tester avec une roue. Est-ce qu'il va plus vite ou pas? Parce que là, vous voyez que c'est à 230, mais en fait, si je pose la roue, hop, on est à 200. Ok, 200. Je suis monté à 200. Allez, hop, 221. Je suis monté à 221, les gars. Ok, 226, ça va, c'est quand même assez correct. Allez, fonce, fonce, fonce. Allez. Et hop, je me pose 200. Ok, donc la moto n'ira pas plus vite que 200. Donc du coup, si on retient un peu ce qu'on a fait, on va s'arrêter. Si on retient un peu ce qu'on a fait, du coup, au niveau du véhicule le plus rapide du monde, niveau vitesse, on est clairement au-dessus, il n'y a rien à dire. Niveau tenue de route, c'est pas trop ça. Roue arrière, roue avant, bah le T-Max gagne des points. Niveau 360, les deux ne gagnent pas de points. Il dérape pas quoi on va dire. Même si bon l'autre dérape un petit peu, mais bon c'est quand même assez catastrophique. Donc on restera sur 0-0 pour ces deux trucs. Niveau bruit du véhicule, bah du coup le véhicule qui gagne le meilleur bruit, bah pour moi c'est le véhicule le plus rapide du monde. Niveau beauté, franchement, le véhicule le plus rapide du monde, la moto la plus rapide du monde, elle est pas mal. Après, franchement, le T-Max, il est magnifique aussi, donc je sais pas trop. À vous de me dire dans les commentaires qui remporte ce duel entre le T-Max et la moto la plus rapide du monde. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça n'a pas déjà fait. À mettre un petit like. Activer la cloche, les gars. Faut activer la cloche. Voilà, j'ai envie de dire. Allez, j'attends, t'actives la cloche. Voilà, c'est déjà fait. Voilà, c'est fait. Je pense que c'est fait. On va cesser là-dessus. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis au bye, au bye, au bye, au bye.